Ah, c'est un nom magnifique. On va commencer, j'irai, par votre présentation. J'irai, si vous pouvez de nous donner un aperçu, parce que on a partagé un peu votre projet. Si vous pouvez nous dire un peu quelques mots par rapport à gérer votre vision, votre projet, votre parcours, Madame Kilimi, pour commencer, avant de lancer les slides. Donc, je vous remercie d'abord, je remercie les organisateurs, les membres de Reconnect pour cette invitation, bien sûr, pour cette occasion magnifique de vous rencontrer d'abord même sur le plan virtuel et de partager avec vous cet amour de la culture et de l'histoire, de l'archéologie, de l'authenticité tunisienne et du Tunisien. Donc, je pense que tous ceux qui sont présents sont des gens passionnés et au-delà, donc certainement, ils font des lectures, ils ont une curiosité de savoir donc cette petite terre riche en histoire, grande en archéologie, en patrimoine, en identité. On a cessé, donc tout le monde, même ce n'est seulement les spécialistes, c'est les Tunisiens en général sont très fiers de leur identité. Donc, moi, je suis parmi ces gens-là. J'ai fait des études donc d'archéologie. J'étais lycéenne à Carthage, donc au lycée de Carthage. Et à l'époque, donc des fouilles, donc dans les années 80, il y avait des fouilles et des sauvetages à Carthage. J'étais curieuse de savoir ce que c'est, donc je m'arrêtais souvent. J'ai découvert le musée. Il était ouvert dans le temps. Il n'y avait pas de garde ni de guichet. Donc, on entrait en tant qu'élève, on allait se promener dans ce musée. Donc, ça m'a accroché, ça m'a travaillé dans la tête. Et je ne savais même pas que ça existe comme spécialité. Je ne savais rien. J'étais très jeune. Mais juste, donc, j'étais très influencée par le discours avec les archéologues. Et d'ailleurs, dans notre lycée, donc au deuxième cycle, on a fondé un club de mosaïque. Les archéologues, d'ailleurs, je ne connais même pas leur nom, des Tunisiens, des Français et tout, ils nous ont dit il faut s'occuper de la mosaïque, il faut être passionné par cet art qui est l'art de l'archéologie. Après le bac, donc, j'ai choisi de faire des études d'archéologie, mais je ne pouvais pas en Tunisie, il n'y avait pas cette discipline. J'ai fait de l'histoire et du coup, donc, le parcours a commencé avec l'histoire. Une maîtrise donc d'histoire ancienne après un DOA et j'ai terminé donc mon doctorat d'archéologie langue civilisation lettres des mondes anciens en France et donc c'était par dure conviction j'ai choisi cette branche et cette spécialité. J'en ai fait une carrière 22 ans de carrière maintenant. J'ai effectué beaucoup de fouilles, beaucoup de prospections. J'ai parcouru toute la Tunisie. Je connais toutes les spécificités historiques et archéologiques. J'ai eu cette occasion. J'ai travaillé avec mes prédécesseurs, donc qui sont tunisiens. Et on est fiers d'avoir de grands archéologues tunisiens qui parfois dépassent des archéologues du monde, disons entre guillemets. Du premier monde, de l'Europe, de l'Amérique et tout. Donc, on avait Madame Leïla Sabah, bien sûr, que j'ai connue. J'ai appris beaucoup d'elle, Madame Zainab Ben Abdallah, Monsieur Azdine Bachaouch, qui était président de jury de ma thèse, Mostafa Hanoussi, Fathi El Bjaoui. Donc, on a de grands noms dans toutes les spécialités et dont on est fiers aujourd'hui d'avoir été leurs élèves. Et d'avoir donc continué dans ce parcours, dans ce grand parcours qui est quand même spécifique. C'est un métier difficile, c'est un métier qui demande beaucoup de patience, de sacrifices. Et quand on réussit la patience et les sacrifices, on réussit notre métier. Voilà, donc j'ai travaillé au début donc sur les zones militaires, les civils dans les zones militaires, donc toute la partie désertique, le Sahara tunisien, algérien, libyen, tout ça. J'ai travaillé sur le sud tunisien, donc j'ai passé 5 ans à faire l'archéologie du sud tunisien.
J'ai travaillé dans le nord-ouest, à Douga, Boularija, tous ces sites-là. Le Gabon, donc j'ai effectué des fouilles, j'ai effectué des prospections, des études. Et la plus grande partie de ma carrière, c'était dans, et elle est encore dans le Sahel tunisien, la Bizacène, appelée à l'époque romaine la Bizacène. Je continue à faire des recherches, à faire du terrain, à parcourir les sites archéologiques et surtout, je m'intéresse à ce qui n'est pas connu. Faire connaître les sites qui ne sont pas connus, explorer, étudier, publier. C'est tout mon intérêt parce que j'estime que les grands sites ont eu leur chance. La Tunisie est riche en archéologie, en sites archéologiques. On dit qu'il y a 30 000 sites, mais je vous assure qu'il y a davantage, qu'il y a plus. On ne peut pas énumérer parce que chaque 5 mètres, 10 mètres en Tunisie, il y a un site archéologique. La Tunisie est un site et un musée ouvert qui n'a pas été entièrement exploré et qui ne peut pas être exploré en même temps. On a choisi les grands sites, les sites majeurs, à les mettre en évidence, à les faire connaître au monde. On a inscrit des sites patrimoine mondial. Par rapport à la richesse, c'est vraiment très peu, 7 sites inscrits. Ça fait 20 ans qu'on n'arrivait pas à inscrire, et ça aussi, je veux vous le dire, je veux partager avec vous. L'archéologie tunisienne, le patrimoine tunisien intéresse beaucoup, mais ne trouve pas la chance qu'il doit avoir par les Tunisiens et par la communauté internationale. Parce que 20 ans à ne pas réussir à inscrire un site, c'est qu'il y a ou un désintérêt ou un manque de compréhension. Et là, je touche le mal parce que les pays qui réussissent à inscrire leur patrimoine dans la liste du patrimoine de l'humanité sont des pays qui font beaucoup de publicité, qui font beaucoup de propagande, qui en parlent beaucoup et qui emmènent leur culture là où ils voyagent avec eux. Est-ce que les Tunisiens le font assez ou ne le font pas? Et ça, c'est une question que je pose toujours parce que ce n'est pas normal que des sites, comme on va voir, qui ne sont pas inscrits sur des listes intéressantes et qui ne trouvent pas de visiteurs et qui ne sont même pas connus par les Tunisiens ou par les habitants de la cité. Ça, c'est mon projet Exactement. qui m'est cher, très cher. Djerba n'a pas réussi à être sur la liste du patrimoine mondial. Et pourtant, Djerba mérite bien cet intérêt. Sfax, la médina de Sfax, on a tenté et on n'a pas réussi. Pour l'instant, on a une dizaine de sites sur la liste indicative. Et c'est des sites très intéressants, dont le site dont je vous ai montré, la Gbeli Bir Om Ali. Et on voulait inscrire dans toute cette zone-là Chatajrid sur la liste indicative et on n'arrive pas à inscrire. Pourtant, c'est unique devant vous. Là, nous avons de la période préhistorique à la période phénicienne et punique, la période romaine avec toutes ces époques, du Haut Empire, Bas Empire, époque byzantine, chrétienne, et passant par l'époque islamique, qui est une époque très très riche en monuments, notamment les mosquées, Zitouna, Aqaba et plein d'autres, les murailles, les médinas. On a tout type de monuments, tout type d'appartenance religieuse, culturelle et autres, et de quoi bien sûr en être fier. La Tunisie, ce n'est pas le patrimoine n'est pas concentré uniquement comme on pensait dans la moitié nord du pays. Le patrimoine, il est partout et dans chaque coin de la Tunisie. Là où vous allez, il y a
un monument aussi important que les monuments de Carthage, les monuments de Douga ou les monuments de Kairouan ou de Sbitla. J'ai pas choisi donc de montrer les images classiques que tout le monde connaît sur les guides touristiques, à la télé, partout dans les médias. Ce sont donc des circuits touristiques très anciens, très connus, qui sont très beaux. Et je pense que tous les présents là avec nous connaissent. Qui n'a pas visité Carthage une fois dans sa vie? Qui n'a pas visité le Bardo, Kairouan, Kerkouen? Mais je l'invite à visiter donc d'autres zones. Je commencerai par exemple par la préhistoire. Et plusieurs Tunisiens ne savent pas qu'ils ont donc des grottes intéressantes à Kairouan. Kairouan connaît Jama Aqba les Fousqiya, mais il faut aller un peu plus loin à Jbel Wasslet et vous allez voir qu'il y a des grottes à visiter. Aujourd'hui, les randonneurs, les familles connaissent et on a de plus en plus de visiteurs. Là, on voit une scène de chasse. Ce sont les grottes les mieux conservées, mais on a d'autres grottes auxquelles on n'arrive pas à entrer parce qu'il faut quand même préparer la conservation. C'est très fragile. Ça ne supporte pas donc le flux de visiteurs, donc ce sont deux grottes qui sont visitables et très 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 intéressantes. Là, une famille donc de l'époque préhistorique qui fait une balade donc en famille. Là, le paysage donc de Matmata, c'est un paysage féerique, donc ça va de la préhistoire jusqu'à nos jours. C'est un village donc on peut dire que c'est comme les Médinas. Les Médinas, c'est des villes anciennes qui vivent encore. Donc, ce paysage troglodytique que vous voyez là, les cercles que vous voyez là, ce sont les maisons, l'ensemble des maisons souterraines, donc qui sont creusées à la main par un savoir-faire authentique et un savoir-faire propre aux habitants de Matmata, donc les Berbères d'aujourd'hui, les Libyques d'hier. C'est les zones donc les plus anciennes de la Tunisie, les zones où on a connu le plus ancien, la plus ancienne sédentarisation et savoir-faire donc artisanal. Cette manière de creuser les maisons et de savoir choisir donc les couches géologiques pour avoir donc une étanchéité, avoir un milieu commode, donc un intérieur commode pour vivre et pour continuer à vivre aujourd'hui. Hein. Il y a des gens qui ont des maisons dans les grandes villes, mais ils rentrent souvent pendant les vacances pour habiter leurs maisons troglodytiques qui sont de toutes sortes, des maisons à étages, des maisons à plusieurs pavillons. Et on a une variété. Donc, quand on visite le sud tunisien, la première chose, c'est de voir les maisons troglodytiques. De la même période, on peut aller donc voyager vers la table de Yugurta. Cette table qui a été considérée pendant des années donc une zone naturelle, mais en fait de plus en plus donc on découvre de vestiges déjà sur la table même et aux alentours donc de la période préhistorique jusqu'à la période romaine où cette table a connu donc les batailles de Jugurtha et l'armée romaine qui et carthaginoises qui ont sillonné cette zone et qui ont peut-être il n'y a pas eu de peuplement, il n'y a pas eu beaucoup d'extension autour de la table, mais ça reste un monument qui est aussi classé sur la liste indicative du patrimoine mondial. On attend son inscription parce que c'est un paysage mixte entre le culturel et le naturel. Cette table, comme je disais, elle est proche de El Kef, entre Qalat Snen et El Kef.
Et aujourd'hui, donc, elle est très connue en Tunisie. On fait des visites touristiques, des randonnées, des pique-niques, des campings. C'est un lieu naturel, exceptionnel en Tunisie et qui mérite donc le voyage. Si on part donc des périodes les plus anciennes, les vestiges les plus colossales, nous arrivons forcément à El Jem, donc cette petite agglomération d'aujourd'hui était une grande agglomération. La preuve, c'est que les plus beaux monuments de Tunisie existent encore, les plus belles mosaïques proviennent de Tisdrus. Vous savez qu'il y avait une école africaine de la mosaïque qui dépasse toutes les écoles donc du monde romain. Et à mon avis, donc la capitale de la mosaïque ne peut être que cette zone qui est la zone de Tisdrus. La qualité de ces mosaïques, le savoir-faire, la beauté esthétique, artistique de ces mosaïques. Nous laisse donc éblouis par ce savoir-faire. Le Colisée, bon, les Italiens n'aiment pas qu'on appelle l'amphithéâtre d'El Jem le Colisée, mais moi j'appellerai parce que c'est une copie identique, améliorée et innovée, parce que le Colisée de Rome, il date du 1er siècle romain, et celui-là, il date du 3e siècle. Donc, le dernier à avoir été bâti en terre africaine, donc à l'époque romaine. Des polémiques autour de ce colisée, est-ce qu'il a été achevé, est-ce qu'il a fonctionné? Moi, je dirais qu'il a été achevé, fonctionné. Donc, tous ces dégâts, c'est des dégâts récents, mais le colisée a bien, l'amphithéâtre a bien fonctionné. Donc, vous voyez la forme elliptique c'est une restitution du grand maître de l'architecture antique, Jean-Claude Golvin, qui a restitué, donc il a travaillé à El Jem, il a restitué donc plus ou moins l'extension de la ville et pratiquement la même que la ville récente. Juste une petite extension de ce côté-là. Et sinon, on a les voies romaines sont les mêmes. Donc, c'est une ville qui tourne autour de ce grand monument. La forme elliptique de son arène, l'arena, qui, là, vous voyez donc dans cette partie, la montée des ascenseurs, disons, des cages des animaux sur la Seine. Nous avons deux entrées. Là, c'est la partie donc qui ouvre sur le sous-sol. C'est un amphithéâtre parmi les mieux conservés au monde. C'est pour ça qu'il est classé pour son authenticité sur la liste du patrimoine mondial. Nous avons là les loges que vous voyez là. Et en étudiant ces loges, je ne vois pas de loge de gladiateurs. C'est uniquement, et pour l'instant, c'est des cellules pour les animaux sauvages, pour les bêtes sauvages, et on voit donc les traces du captage de ces bêtes. Les gradins, ce qui reste des gradins, et les quatre étages que nous voyons là sont pratiquement parfaitement conservés. Ce qui est cette partie-là, ce qu'on appelle la loge impériale, c'est là où c'est une loge assez grande, sorte de terrasse et de véranda qui donne sur la Seine, et là où s'installent donc l'empereur, les généraux, les nobles, les gens distingués. Le reste, donc, c'est l'entourage, les gradins, certainement pour le peuple. Vous voyez là encore une fois donc une photo du drone qui montre cette majestueuse architecture du 3e siècle, compliquée, complexe, mais imposante par rapport à l'époque. El Jem, donc là c'est une autre histoire. Avant ce grand amphithéâtre, il y avait un petit amphithéâtre que peu de gens connaissent. Pourtant, il est en face du musée.
quand on va au musée, on le voit, on voit les ruines, mais personne ne pose la question, c'est les ruines de quel monument? C'est un petit amphithéâtre datable du 1er siècle, donc c'était l'ancien amphithéâtre, et qui dit que le grand amphithéâtre, c'est grâce aux Romains, je ne pense pas. Elgem était une ville splendide, rayonnante, même avant l'arrivée des Romains. Et c'était une ville prospère grâce à l'agriculture, grâce au commerce de l'huile d'olive et des céréales. Donc, il y a une progression. Le contexte historique, l'événement de 238 et la révolte, l'arrivée des Gordiens qui habitaient dans la ville de Tisdrus et qui étaient élevés au rang d'empereur romain, avait aidé donc à continuer à orner cette ville et la doter donc d'une parure monumentale telle que ce grand amphithéâtre. Le petit amphithéâtre a été abandonné et nous avons entre autres un cirque qui est encore enfoui sous le sol, on ne le voit pas, mais il y a un grand cirque pour les courses de chevaux, un cirque qui peut égaler le cirque de Carthage. Et il n'attend que la fouille donc, pour voir l'importance de ce monument. Donc la ville de Tisdrus en Tunisie est une ville qui a un destin exceptionnel, une histoire exceptionnelle. S'il n'y avait pas ces monuments-là, ces vestiges-là, on n'aurait jamais su quel était ce destin et comment a évolué cette ville. Revenons vers le sud, donc c'est en plein désert. Ksarilen, c'est dans le gouvernorat de Gbeli, c'est à quelques dizaines de kilomètres de Douz. Et là, on a un camp militaire romain, des Romains qui avançaient vers le sud, érigés des camps militaires. Et ces vestiges-là, on les voit surtout dans la partie sud de la Tunisie, à partir de Gafsa, en direction de la frontière libyenne. Ces monuments-là deviennent de plus en plus nombreux, parce que c'était une période où les Romains avaient pensé à la paix romaine, donc les tribus nomades qui étaient hostiles à l'expansion romaine et à la colonisation romaine, les tribus nomades faisaient toujours opposition et les Romains donc ont choisi de faire une avancée vers le sud pour propager la paix. Donc on a des tours, on a des camps avancés et tout un système militaire qu'on appelle aujourd'hui le limès, c'est-à-dire la ligne de frontière. Ça, c'est Ksarilen, donc, qui est dans le désert tunisien, dans le Sahara de Douz. Et aujourd'hui, il est visité par les touristes. On faisait des sports extrêmes, on faisait des campings, des pique-niques, toutes sortes d'activités touristiques en périphérie de ce monument, qui est très beau, très joli à visiter et à voir. Nous avons un autre monument qui est dans la même zone, donc à Bir Om Ali, entre Gafsa, donc au nord de Gbeli, entre Gafsa et Gbeli. Ce monument-là, donc, c'est dans le désert montagneux, c'est dans les collines, les hautes collines de Bir Om Ali. C'est une colline qui s'appelle colline Bir Om Ali. Ce monument-là a été considéré pendant des années, donc jusqu'aux années 90, comme étant une muraille, un mur, une limite, une frontière. Mais finalement, donc, il y a eu des études récemment, dont une que j'ai faite, donc l'inventaire des sites militaires, et j'ai découvert que c'était tout simplement un aqueduc qui conduisait l'eau donc vers une zone agricole qui est située donc sur le versant, une zone très fertile. Et cet aqueduc ramenait de l'eau donc d'une source qui est en haut au sommet. Et apparemment il y avait beaucoup d'eau. Aujourd'hui c'est sec bien sûr, il n'y a plus d'eau. Il y a les citernes qui sont juste en bas et des puits.
pour rassembler cette eau et l'utiliser donc dans les travaux agricoles. Les monuments hydrauliques aussi, donc vers le nord, nous allons vers la montagne de Zarouen, où on voit l'exceptionnel donc, temple, un temple dédié aux divinités, aux dieux et déesses qui protégeaient donc, la richesse hydraulique dans nos régions. Et cette eau, l'eau de Zarouen, donc, on en profite encore aujourd'hui. Hein. C'était le début, c'était donc probablement depuis l'époque punique. On a exploité les sources du Jbel Zarouen pour cette douceur et ces caractéristiques purifiantes de l'eau. Et on a édifié donc ce monument qui est grandiose, splendide, au pied de la montagne, avec donc c'est là et sa conduite donc de l'eau jusqu'aux aqueducs donc de Zarouen à Mhamdia jusqu'à Carthage, donc pour arriver vers les citernes de Maalga, qui sont connues bien sûr par nous tous, les plus grandes citernes en Tunisie, et qui accueillaient donc l'eau de Zarouen du temple des eaux jusqu'à pour le distribuer donc dans la capitale Carthage, donc Carthage romaine. Nous repartons vers Kairouan, donc Kairouan, là où on a, en dehors des vestiges d'époque islamique, nous avons des vestiges de la préhistoire, je disais, jusqu'à l'époque romaine. Ce sont des monuments encore bien conservés et murs érigés. Là, c'est une citadelle d'Oksar Lamsa, un très beau site qui n'a pas encore été fouillé. Et je pense que si on entame les fouilles, on va faire des découvertes extraordinaires et on va mettre au jour donc une cité exceptionnelle dont on connaît que sur Oksar d'époque byzantine. Mais nous avons, Madame Leïla Sebey, elle connaît très bien ce site et elle a publié, donc je crois qu'il y a une publication qui va sortir bientôt donc, sur les travaux de Madame Leïla Sebey sur ce site-là et bien d'autres. Remontons encore vers le sud pour s'arrêter devant un paysage unique. Et qui est caractéristique du sud tunisien et de la partie donc, occidentale de la Libye. Ces ksours, donc, on les trouve entre la Tunisie et la Libye. Nous avons des ksours à Jbel Nafousa et dans des régions donc, occidentales de la Libye. Donc il y a une population qui était nomade dans ces zones désertiques et qui prenait ces ksours pour des monuments de refuge, donc des constructions qui étaient bâties pour être ou bien des refuges, sinon pour protéger donc leurs denrées pour l'année, vu que le sud tunisien est une région donc qui vit la sécheresse donc dans la plupart donc de l'année, les plus grandes saisons de l'année. La sécheresse est imprévisible et du coup donc ces monuments-là sont sur trois donc catégories: les ksours citadelles donc pour se protéger, les ksours de montagne et les ksours de plaine. Il y a des ksours pour habitat, des ksours pour les réserves alimentaires et des ksours pour se protéger contre les dangers donc. Nous avons là le Ksar Halouf qui a une architecture complexe, mais il est magnifique. Ça rappelle un petit peu Ksar El-Jam, c'est un peu, quand je vois Ksar Halouf, surtout quand je le vois sur place, comme si il y a des traditions architecturales qui ont été reprises de l'époque romaine à l'époque donc, médiévale et moderne. Le Ksar Ouled Sultan, donc, c'est un Ksar énorme, gigantesque et qui demande encore à être étudié parce qu'il y a une architecture
exceptionnel par rapport aux Qusur connus dans le monde arabe. Le Qusar Ouled Sultan, donc comme vous voyez, c'est un Qusar à étage. Et tout ça, donc, c'est le savoir-faire et l'architecture autochtone. Ça n'a pas d'influence punique, ça n'a pas d'influence romaine, c'est typiquement autochtone, donc qui dit que les berbères n'avaient pas un savoir-faire se trompe parce que toutes ces constructions-là émanent donc du génie berbère et plutôt autochtone. Sarj Lidet, qui est énorme aussi, c'est des appartements carrément. Ksar El Farsh, Ksar Gatoufa, et on a énuméré, donc là c'est le type de Guermès, c'est le type de Ksar citadelle, c'est-à-dire le genre de Ksar pour se protéger. Donc les habitants nomades, quand il y a un risque, un péril quelconque, donc ils se rassemblent tous dans les Ksour et ils se protègent. Ces Ksour-là sont très fortifiés de l'intérieur et sortent de labyrinthe, donc l'ennemi ne peut pas arriver facilement à les trouver ou aller vers cette source-là. Revenons donc dans la région de Qasrin. Qasrin, donc, c'est une zone très riche. Donc, le gouvernorat de Qasrin, c'est la région renferme donc le plus grand nombre de vestiges archéologiques en Tunisie. Je pense le tiers des sites archéologiques se trouve donc dans ce gouvernorat-là. Donc là, on a un arc de triomphe. Nous avons les deux mausolées très connus. Donc Qasrin a pris son nom des deux Ksar, c'est des mausolées en fait, d'un propriétaire de champs d'oliviers, un grand propriétaire. Et sur ces mausolée, donc on a une inscription latine qui raconte donc la vie de ce grand propriétaire terrien et qui décrivait aussi la nature de son agriculture et de sa production agricole. Nous avons à Qasrin surtout les huileries qui sont très connues, donc c'est une région très connue par les vestiges de huileries, donc la production d'huile d'olive était énorme. Ce qui a donné donc des milliers de sites qui renferment donc des huileries d'huile d'olive. Nous avons là un théâtre, donc le théâtre il est réhabilité, restauré et on a commencé il y a 2 ans à faire des spectacles et il y a un festival qui se donne donc dans cet amphithéâtre. La région du Sahel, donc qui ne connaît pas la Sqif al-Kahla de Mahdia. Mahdia est riche en monuments, donc Mahdia c'était la capitale des Fatimides. L'époque islamique est très présente, donc les vestiges d'époque islamique sont les plus imposants, mais n'empêche que sur la côte, nous avons toute une série de monuments d'époque punique, dont le coton, donc le petit port qui est creusé dans la roche, les tombes puniques creusées dans la roche et qui sont très détériorées aujourd'hui à cause de l'érosion, bien sûr, marine. Mais quand on dit Mahdia, on dit Sqif al-Kahla, et qui est un monument phare donc, de Mahdia. Les citadelles byzantines, bien sûr, il n'y a pas mieux que cette citadelle de Hydra qui n'est pas bien conservée, mais qui a une histoire importante, qui a été visitée par plusieurs voyageurs et dont la description est une description d'une ville entière et non pas d'un monument. Donc, c'est l'équivalent d'une cité. Avec ses murailles, avec les éléments qui la composent, donc elle a dû abriter donc un petit peuplement donc d'époque byzantine chrétienne. Une autre citadelle ou un autre fort, le Burj Younga, donc à Mahrez dans la région de Sfax. Qui ne connaît pas ce Burj, mais on ne connaît pas son histoire. En fait, c'est une cité
cette cité de Yunga qui a ses origines donc de l'époque punique à l'époque byzantine, donc la dernière période, donc c'est cette période là donc la période du Borj, qui est la période byzantine. Mais dans le Borj même, il y a une petite salle de prière d'époque médiévale, donc islamique. Il y a du punique dans ces murailles, il y a du romain, du byzantin et de l'islamique, rien que dans ces quatre coins de cette citadelle qui attend à être fouillée également et à être restaurée et pourquoi pas exploitée touristiquement. Monastir, avec son joli Ribat, donc c'est la ville des Ribat. Vous savez que Monastir, c'est la ville où il y a le plus grand, bon, le gouvernorat, disons aujourd'hui, où il y a le plus grand nombre de ribats. Donc, on a énuméré sept ribats. Et ces ribats-là, on disait que c'était des lieux donc, de rencontre de savants, les grands savants de l'époque, et qui venaient donc enseigner le Coran, la charia, aux habitants des côtes, et commençant par être des petits lieux, des petites écoles, et se transformant rapidement donc en citadelles pendant la fin de la période médiévale et la période moderne avec l'invasion, la guerre en Méditerranée entre les Espagnols et les Ottomans. Et donc ces endroits-là étaient donc sorte de forteresse pour protéger l'intérieur et des villes islamiques contre les invasions venues de la mer. Donc vous voyez là le petit ribat de Monastir et le grand ribat. Nous avons une île, donc l'île Rdemsi, où il y a le ribat Ibn Jaad. Dans l'Asqans, donc là où il y a le palais présidentiel, il y avait aussi un ribat qui a été démoli en construisant le palais. Ribat Lamta, ribat Tapsus Bqalta, donc un grand nombre de ribats qui sont concentrés dans cette zone qui correspond aujourd'hui au gouvernorat de Monastir. À Sousse, on a bien sûr un seul ribat. La Tunisie, donc, avec ses monuments, les fouilles archéologiques ont également nous font découvrir donc des richesses, de grandes collections donc des éléments mobiles entre sculptures, éléments d'architecture, de la monnaie antique et médiévale. Une grande richesse que nous découvrons donc dans les musées, dans les différents musées. Mais si nous voulons parler de la Tunisie, de la richesse tunisienne, il faut parler de la mosaïque, parce que c'est le pays qui a le plus grand ou la plus grande collection de mosaïques dans le monde. Nous disposons de près d'un milliard de pièces de mosaïques de toute période et de toute époque. Et on ne peut pas les exposer toutes. Ce qui est dans les réserves dépasse de loin ce qui est exposé largement dans les musées. Il n'y a pas de musée en Tunisie qui ne contient pas une petite collection ou une grande de mosaïques. Mais ce que nous avons encore à montrer est époustouflant, et même quand on voyage, on présente nos mosaïques, on est toujours applaudi par les nouveautés. Tous les jours, la Tunisie a une pièce nouvelle ou un thème nouveau concernant la mosaïque. Donc, aucun pays ne peut concurrencer la Tunisie en matière de mosaïque. Ça mérite quand même plus d'importance, plus de musées ou de projets pour mettre en valeur cette richesse et la faire connaître. Cette mosaïque qui est si grande, donc coupée en quatre morceaux et exposée dans le musée d'El Jem, nous présente donc l'importance
des combats d'animaux sauvages dans l'amphithéâtre d'Eljam. Et c'est la plus belle représentation de ce qui se passait dans cet amphithéâtre. La mosaïque de la chouette. Déjà, les mosaïques donc des portes, des accès, des seuils de portes, c'est des mosaïques exceptionnelles. Donc, il y a des gens qui travaillent sur ces mosaïques. Et vu donc la superstition de l'époque, c'est important donc de réfléchir à ce qu'on peut mettre au seuil d'une porte. Et cette mosaïque-là, c'est la plus belle. C'est Azdim Bachev, je l'avais aussi interprétée. Donc, la chouette donc, qui, avec ses yeux, donc, peut faire tomber des oiseaux morts si jamais ces oiseaux-là ont de mauvaises pensées pour cette maison-là. Donc, déjà, nous l'avons encore, cette idée-là de superstition, de mettre quelque chose au seuil de la porte pour chasser les mauvais œils. La mosaïque des dauphins et des oies, donc c'est parmi les plus belles aussi au monde, une très belle mosaïque d'Eljam. La mosaïque Africa, cette mosaïque de la déesse que vous voyez là, c'est la déesse Africa, vous voyez là sur la tête, donc une peau ou une tête d'éléphant, des éléments qui rappellent donc les richesses de l'Afrique. C'est la déesse qui a donné donc son nom à notre continent et qui est personnifiée en tant qu'une très belle femme habillée avec des peaux d'animaux en provenance de l'Afrique. Donc la Tunisie faisait partie de l'Afrique depuis X temps, donc on n'a jamais été appartenu à une autre géographie, disons. Nous avons des influences culturelles, nous avons connu des flux culturels, ethniques, mais nous appartenons quand même à l'Afrique, qu'on le veuille ou pas. Des mosaïques d'Oudna qui sont tout à fait différentes et aussi riches que les mosaïques d'Eljam. Là aussi, on a découvert une autre école. Le site d'Oudna est un site exceptionnel, mais les maisons d'Oudna nous révèle donc un autre art de la mosaïque dont les thèmes sont tirés de la vie quotidienne. Donc la vie quotidienne à Eljam, ça tourne autour de l'amphithéâtre, des spectacles et des habitants riches et prospères. Là, on a une autre vision, une autre société et une autre et d'autres thèmes, donc, tels que le thème de la chasse là, qu'on voit et qui reflète donc, l'ambiance de la prairie, l'ambiance de l'arrière-pays de Carthage, parce que Oudna n'est pas très loin de Carthage, une grande cité, mais le mode de vie semble être un mixage entre le rural et le citadin. Nous finissons donc avec le baptistère. Là, c'est la période chrétienne. La période chrétienne, là où elle est mieux représentée, c'est dans la cité de Sbitla, sous Feitula. Donc, les baptistères, les vestiges, les objets donc, qui sont en rapport avec le christianisme de l'époque romaine, on le voit bien. Dans la ville de Soufaitula, qui est une très belle ville, et le site donc est encore bien entretenu, bien conservé, et quand on visite, donc on découvre toutes les époques romaines depuis le Haut Empire jusqu'à l'époque chrétienne, et c'est la Tunisie, donc et c'est la spécificité de la Tunisie, c'est que là où on va, on a la diversité, la pluralité et en même temps, on peut aimer ce qu'on voit. On ne peut qu'aimer ce qu'on voit. Voilà, donc j'aimerais bien avoir vos réactions, vos questions, votre évaluation donc, du thème que je vous ai proposé. J'espère que vous avez
bien apprécié, bien compris donc le but de cette conférence, ce n'est pas de tout montrer, mais de vous inviter surtout à aller voir ce que vous n'avez pas encore vu. Je commence. Merci beaucoup, Madame Heger, pour cette merveilleuse. Enfin, je suis émerveillé parce que je vois et puis je découvre. Certainement, je dormirai beaucoup moins bête ce soir. Et je sens toujours, ça renforce toujours un peu mon amour pour ce pays, pour son histoire et pour sa richesse culturelle. Et dommage qu'on n'a pas assez les moyens pour, encore chercher, encore valoriser, encore mettre en avant, et encore exploiter un peu toutes ces richesses, tout ce patrimoine. Bon, je ne veux pas m'accaparer la parole. Je veux commencer. J'aimerais bien avoir l'avis de mon ami Madim Dimr, s'il peut activer son micro et poser une question ou faire une réflexion ou un sentiment. Madi, si tu nous écoutes. Midi. Oui, j'entends. Je ne trouve plus le micro, là. Non, c'est bon. Non, c'est très intéressant. Moi, je trouve ça super de pouvoir revenir, remonter dans le temps comme ça, c'est génial. Moi, je m'intéresse aussi aux relations qu'il y a eu entre Djerba et la Tunisie, qui n'est pas très loin. Parce qu'elle m'a dit, il y a tout un... Mazel Deval et Mahdi, elles sont très liées par l'histoire, par exemple. Et je ne sais pas, en période pré-islamique, ce que c'était. Voilà, sachant que j'ai dit, c'est pas Jérôme, c'est ce que j'ai dit. La Sicile, je parlais de la Sicile en fait. Voilà. Et comment était la Tunisie en fait en termes agriculture en fait ? Puisqu'on parle beaucoup des oliviers, mais avant les oliviers, est-ce qu'il y avait beaucoup d'arbres partout ? Est-ce que ce genre de paysage on peut le retrouver un jour ? Voilà, c'est aussi une question que je me pose. Est-ce qu'on peut reboiser la Tunisie ? Oui. Oui, c'est tout à fait possible. Il faut remonter dans le temps, donc on n'a pas une seule époque. La Tunisie, c'est la diversité. Alors, si on remonte très loin dans la préhistoire, 100 000 ans, la Tunisie, il y avait une forêt. D'ailleurs, Oued El Akarit à Guebes, donc on a trouvé des bovidés, donc des animaux qui vivaient dans la forêt. Nous avons des témoignages sur l'éléphant, d'ailleurs les derniers lions et les tigres, c'était dans les années 60 hein, qu'ils ont disparu, donc c'est pas très loin. Donc c'est un pays qui était très, très fertile. C'est une terre, disons, c'est pas un pays, c'est une terre, parce que depuis l'époque punique, c'est un empire. À l'époque romaine, c'est une des capitales de l'empire romain. À l'époque byzantine, pareil. Donc à l'époque islamique, la Tunisie, c'est une capitale, c'est même la Daoula, c'est les Fatimides, les Aghlabides, tout ça. Donc c'était une terre. Oui, on fournissait aussi du blé, de l'orge, ouais. Les céréales d'abord. Avant, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, les Berbères ont connu quand même, les Libyques, les habitants autochtones, cultivaient des oliviers, mais ils n'avaient pas une grande production parce que c'était dans les montagnes. Les Libyques, les Berbères vivaient dans les montagnes. Donc les arbres, les oliviers, n'étaient pas des champs comme aujourd'hui ou à l'époque romaine, mais cette culture a connu son apogée à l'époque romaine et c'est devenu une richesse comme le pétrole d'aujourd'hui. Donc c'est source de richesse de notre pays. Les Romains venaient ici pour l'huile d'olive et pour les céréales qu'ils diffusaient dans tout l'Empire, en Orient et en Occident. C'était vraiment le noyau. Par contre, avant l'huile d'olive, c'était les céréales. Et il y avait une grande richesse. En même temps, il y avait la mer aussi, la production de la mer. Ouais. C'est des grands pêcheurs. On a des mosaïques où on nous exposait donc, toute technique de pêche, toute technique sur cette terre. Donc, il y a l'agriculture terrestre, il y a aussi les produits de la mer, dont les Carthaginois étaient très forts. Donc, la production de...
de la pêche, c'était une spécialité carthaginoise. L'agriculture aussi, on a le fameux, disons, entre guillemets, ingénieur d'agriculture, Magon. Magon, le père de l'agriculture. Et c'est lui donc qui avait donc laissé des livres que les Romains ont pillés, bien sûr, ils se sont accaparés et appropriés ces théories et sa stratégie d'une grande agriculture donc que les Carthaginois exerçaient sur leur terre. Donc c'est un pays qui n'a cessé d'être riche, mais aujourd'hui nous ne sommes pas des gens qui œuvrent pour reprendre ce pays-là. Mais sinon, des réserves d'eau, certainement, si on sait exploiter, les terres fertiles, Oui, on a alors, ouais. oui. Je pense que pour les réserves d'eau, ce sont des réserves qui datent. On parle d'eau, comment dire, Millénaire. c'est comme les fossiles, voilà, de l'eau fossile en fait, Oui, comme ce qu'il y avait exactement. en Libye qui a été épuisé. Exactement. Donc c'est Et un vrai souci, hein. un vrai souci peut-être parce qu'on n'a pas assez exploité la technologie nouvelle, on n'a pas exploré tout le pays. Je ne sais pas, mais Alors moi j'ai des amis qui sont qui ont des en Algérie qui ont des dates enfin des qui font des dates à Tolga, je crois que c'est ça. Et avant ils puisaient de l'eau à 40 mètres, maintenant ils descendent à 230 mètres pour avoir de l'eau. oui. Donc c'est en train de se dessécher parce que justement c'est de l'eau fossile qui ne se renouvelle pas et tout le monde Oui. puisse dessus. C'est un grand Donc je sais problème, que le enfin problème de voilà. l'eau aujourd'hui, parce que à l'époque antique, on voit très bien à travers les vestiges qu'il y avait une grande richesse, il y a un surplus, il y a une grande richesse en eau, et ce qui a fait que ce pays-là était, sur le plan agriculture, il était riche. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a tout fait pour... Parce que ces eaux-là, ils sont dans les vestiges archéologiques. On n'a pas repris ces cités-là, on n'a pas cherché à comprendre. Parce qu'une grande étude déjà sur les aqueducs là, Voilà, qui partent ça. de Zaouen à Carthage pour ramener de l'eau, ce n'est pas des gouttes d'eau, hein, c'est des eaux qui ont, pendant des siècles, ils ont Tout à fait. fonctionné. Et aujourd'hui, ils fonctionnent encore. Donc il y a une richesse. Et ce n'est pas uniquement, ça ne doit pas être uniquement à Zaouen, ça doit être ailleurs aussi. Mais il faut Il y a avoir au large, une stratégie. ouais. Oui. Excusez-moi, c'est juste une question, je suis en train de penser. Au large de Madire, on a des sortes de vestiges dans la mer. Des restes d'aqueducs qui passent en fait et je me demande si est-ce que ça allait jusqu'en Sicile? Tiens, je rebondis sur mon sujet. Ah. Est-ce que Vous savez, je me pose des questions là. Est-ce qu'ils ont ces été études-là capables? Ouais. n'ont pas été faites. C'est vrai qu'on a quand même un grand service d'archéologie sous-marine en Tunisie et qui commence quand même à avoir des résultats sur les côtes déjà, c'est déjà bien. Mais en fond de mer, on n'a pas les moyens d'aller jusque-là. Donc s'il y a quelques connexions entre les îles, vous savez, la Sicile, c'était un territoire carthaginois. Donc, Sardaigne, ici, sud de la Sicile. Donc, Ben, il y a une c'était ville en Sardaigne qui une s'appelle stratégie. Monastir. Hein. Pardon? Il y a une ville qui s'appelle Monastir en Sardaigne. Ah bon? Monastir, en fait, ça provient du terme monastère. Donc, Ah ouais, il y a je ne partout dans m'étonne. le monde. Ah d'accord. Le monastère. D'accord. Merci Mehdi pour ces belles Désolé. questions. Tu nous C'était as un plongé peu. dans l'agriculture antique. Oui, et puis Donc j'ai moi. rebondi sur. Ils sortent de la Ouais. Sicile, mais effectivement, c'est tellement riche Voilà. que on pourrait Ben passer voilà, des heures nature en là-dessus. plein J'aimerais désert. beaucoup, en tout Bien cas. entendre, Merci beaucoup pour cette présentation. je vous en prie. Kaoufal Boussem a géré, voilà, s'il y a une question, une réflexion. En fait, d'abord, je tiens à remercier en fait Madame pour la présentation. C'était très intéressant, un très beau Merci. voyage en fait, parce que découvrir. Bah, il y a des sites que je connais pas en fait que vous m'avez permis. Enfin, j'ai pu les découvrir à travers votre présentation et ça donne envie en fait de les visiter. Ce qui est vraiment dommage, c'est tout ne sont pas mettre en avant en fait cette richesse. Oui, exactement. Et aussi, ce qui est un peu choquant de voir, en fait,
on ne donne pas beaucoup d'importance. Oui. Quand je vois, par exemple, Carthage, je suis certaine, si on compte, il y a des. Ils continuent à construire, alors que je suis certaine, si on regarde, on essaye de faire des recherches, on peut trouver d'autres, en fait, Ah d'autres oui. sites, Ah oui. d'autres. Et c'est triste, en fait, de voir ça. Quand on voit aussi les constructions juste à côté des monuments et tout, c'est un peu dommage, je dirais. Quand je vois aux États-Unis, ils font généralement un musée avec. Il suffit de rien pour faire un musée. On a une richesse et on ne sait pas mettre ça en avant. Oui. Ouais. Bon, c'est une remarque Faudra peut-être pertinente, sensibiliser, mais triste. ouais, les jeunes, peut-être. En fait, Oui. c'est voilà, ça me donne des idées. En fait, peut-être programmer une. Enfin, si vous, on, je vais, enfin, je veux faire des présentations pour les étudiants, un peu pour nos jeunes, pour les sensibiliser autour de ces sujets, en fait. Oui. Hop. C'est vrai, tout à fait. Pardon, je vous ai Non, coupé. juste, je dirais, moi, je rebondis ce qu'elle a dit, Madame Kauth, c'est que j'irai, voilà, si vous aurez l'occasion d'échanger, d'approfondir, et puis j'irai de votre côté, Madame Klim, et d'aller à Tunis Dauphine, j'irai pour, voilà, j'irai faire découvrir tout ça à nos étudiants, à notre Oui. jeunesse, et puis j'irai leur donner de la fierté, j'irai de la profondeur, j'irai, ce serait sympa. Oui. Oui. C'est ce qu'on Oui. demande en fait. C'est ce qu'on demande, c'est que ces jeunes, parce que c'est eux la relève, c'est eux l'avenir. Et c'est dommage qu'un grand legs que nos ancêtres nous ont laissé, ils ont conservé, ils ont fait attention même à leur manière et à leurs limites donc de moyens. Aujourd'hui, nous, on a plus de moyens, on a plus de sciences, de réflexion, on va à l'école, on s'instruit, on sait ce que ça veut dire l'histoire. L'histoire, c'est l'identité. L'identité, c'est nous, c'est notre existence. Et tout ça est résumé dans ces murailles, dans ces murs, dans ces monuments-là. On voit notre identité s'écrouler carrément et on ne peut rien faire. Ça, moi aussi, à mes étudiants, je le dis tous les jours, à mes jeunes, à mes voisins, tous les jeunes que je rencontre, parce que entre adultes, on le dit toujours, on l'écrit, on partage, mais les jeunes, je pense qu'ils sont de moins en moins intéressés à leur patrimoine, et même les étudiants qui font de l'histoire et de l'archéologie. Bon, enfin, j'irai. J'ai une autre question. Vas-y, Ah, allez-y. excuse-moi, Samy. Allez-y. Une autre question, en fait. Est-ce que, je ne sais pas du tout comment ça se passe, Vitounes, en fait, comment vous gérez justement ça, comment vous financez les recherches et tout ça. Est-ce que vous avez essayé de travailler avec l'étranger, en fait, de travailler avec, pour faire connaître, pour faire travailler peut-être avec des musées, pour exposer un peu cette richesse, pour pouvoir récupérer de l'argent et essayer de. Est-ce qu'il y a eu une En approche? fait, on ne fait que travailler avec les étrangers. Ah, c'est ça, en fait, c'est Il classique. faut dire que c'est grâce à la coopération, entre autres. Il y a le côté tunisien, donc la part tunisienne le ministère de la Culture, parce que le patrimoine dépend du ministère de la Culture. Nous avons deux instances, il faut que je vous explique. Il y a l'Institut national du patrimoine qui s'occupe, auquel j'appartiens, et qui est une institution scientifique qui s'occupe de recherche et de fouilles, de prospection, de tout ce qui concerne le patrimoine dans sa dimension scientifique. Il y a l'agence de mise en valeur qui prend tous nos résultats, les résultats de nos recherches et les transforme en produits, c'est-à-dire musées, sites accessibles, tout ça, donc pour quand même faire vivre cette recherche. Et ces sites-là, donc, et les transformer en lieux touristiques. Le ministère du Tourisme, il finance, mais il n'intervient pas dans les choix, malheureusement, ce qui est quand même, normalement, il doit être dedans, mais généralement, le ministère du Tourisme, il finance, il donne des subventions. L'autre côté, c'est l'aide internationale. L'aide internationale, généralement, elle va aux grands sites
les sites du patrimoine mondial et les sites intéressants, de valeur déjà connue. Aller à la recherche de sites qui sont dans le désert, qui sont éloignés, là où il n'y a pas une communauté, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'UNESCO demande qu'il y ait un partenariat, qu'il y ait plusieurs acteurs, plus que l'État. Il doit y avoir aussi des habitants, des gens qui s'en occupent, la société civile, les autorités locales. Donc ça, on essaye, ce n'est pas facile de faire comprendre à la municipalité que le patrimoine lui appartient et qu'elle doit payer ou participer. Ça, on ne l'a pas encore atteint. Donc, la communauté internationale, elle a aussi ses problèmes, elle a ses crises. On avait plus de coopération avant, mais ces dernières années, quand même, ils ne payent pas beaucoup d'argent, ils ne donnent pas beaucoup de subventions, mais ils aident plus à la recherche. Je donne la parole à Merci. Madame Salma. Merci, Kaufel. Merci, Semi. Merci, Madame Hegel. C'était vraiment splendide, extraordinaire. Ça fait Merci. chaud au cœur de voir un pays aussi beau que la Tunisie, que, en fait, beaucoup de nos jeunes ignorent ce côté-là. Et peut-être parce qu'on a parlé de des jeunes qui partent, qui ne se sentent pas enracinés dans leur pays, etc. Et c'est peut-être aussi une voie à explorer pour rendre ces jeunes beaucoup plus fiers de leur appartenance et de leur Tunisie, de ne pas la quitter. C'est juste pour introduire. Mais en fait, ce que je voulais, en fait, ici à Sfax, on a un vrai problème. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se répète dans d'autres villes. C'est qu'on a des sites archéologiques qui ne sont ni visités, ni fouillés, ni reconnus. Et en plus de ça, ils ne sont pas protégés. Et on voit, par exemple, de l'urbanisme qui est en train de les envahir et en train de les enterrer carrément. On a des parcelles de terres qui sont vendues à des particuliers alors qu'ils sont très riches en patrimoine. Il faut les fouiller, ce sont des sites archéologiques. Et je ne sais pas, par exemple, on a essayé avec la société civile d'aller vers l'Institut du patrimoine, c'est-à-dire de préservation du patrimoine et tout ça, mais rien, rien, on n'a pas de réaction. On sent que. Mais c'est à la limite, parfois, on sent que. Qu'il s'en fout, quoi. Mais je sais pas, est-ce que ces sites et tout, n'ont pas vraiment beaucoup de valeur? Et je suis pas convaincue. N'importe quel site, normalement, il a quelque chose qu'il cache. Il cache quelque chose de très intéressant. Oui. Sinon, pourquoi on est là aujourd'hui? Non. Je sais pas votre avis, hein, par rapport à ce que j'ai dit. Est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent dans d'autres villes ou là, Oui. c'est vraiment. Oui. Je connais par exemple Sartagnoul où j'habite ici. C'est Oui. vraiment une colline qui enterre un très grand sar et qui n'a jamais été fouillée. C'est un site archéologique proprement dit. Et voilà. C'est vraiment dommage. Oui. C'est dommage, je ne sais pas si vous vivez à Sfax ou à l'étranger, mais il faut bien connaître Sfax, la Tunisie. Il y a des Je villes suis quand de même, Sfax. non? Oui, bien sûr, Tcharfou. Non, Elle est elle est à Sfax, elle habite à Sfax. Ah, elle est à Sfax, Actuellement, elle est à Sfax. la fouille de Tel Aïn, la nécropole, mouche baïda à la Sartagnour. Oui, Oui. bon, non, c'est assez loin quand même, mais oui, il paraît que c'est deux époques différentes. Mais bon, mais malgré la société civile, on a fait des campagnes de sensibilisation avec tout ça, on a parlé avec la municipalité, on a parlé, mais bon, on sent que ce n'est pas vraiment quelque chose où les gens où sont engagés. Peut-être les chercheurs, j'ai parlé avec mes amis, les chercheurs aussi. Oui, d'accord, oui, c'est intéressant, mais bon, je ne sais Oui, pas. de fait, Finalement, je sais qu'il y a beaucoup de sites. Sfax ne fait pas l'exception. On a d'autres villes, on a d'autres régions. Là où il y a, je disais au début, je l'ai dit, je ne sais pas si vous avez remarqué, que tout centimètre de la Tunisie,
est un site archéologique. Tout est collé, tout est dense, sous la terre, sous les villes, là où on habite, sous les campagnes, sous les arbres, partout il y a de l'archéologie en Tunisie. Le problème est que ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup de gens. Nous, aujourd'hui, quand on dit sensibiliser la société civile, sensibiliser les jeunes, c'est pour nous aider plutôt que penser à leur identité et tout. Là, on a un problème en Tunisie. Si tu es sensible, tu mets la main, tu essayes d'aider, tu essayes de sauver. Mais si tu n'es pas consciente, si tu n'es pas intéressée, même pas consciente, tu es consciente mais pas intéressée, les autorités locales, les sociétés, imagine qu'il y a des centaines de sociétés civiles, d'associations à Sfax. Quand on commence à parler patrimoine, ils sont tous au courant, ils s'y connaissent. D'ailleurs, les meilleurs blogueurs en patrimoine sont des Sfaxois et des Sfaxiens. Donc, quand on leur parle, on leur dit pourquoi vous ne faites pas du bénévolat ? Pourquoi vous ne participez pas ? On a besoin de vous. Non, ce n'est pas mon travail. Il faut que l'État fasse ceci, fasse cela. Il faut que l'État paye. Oui. Il faut que l'État… Oui, je suis d'accord, c'est l'attitude, oui. Non, c'est vrai, c'est malheureux, mais normalement, l'Institut de préservation du patrimoine, elle, à mon avis, elle a un rôle très important. Je ne sais pas si vous connaissez les gens là-bas, etc. Mais c'est vraiment… Non, le problème, c'est qu'il y a l'inspection du patrimoine à Sfax. Le lieu, donc le quartier général, c'est à Sfax. Il y a tout un personnel spécialisé. Le problème est que Sfax, c'est une médina assez grande et qui a des besoins. Tout l'argent est dépensé sur la muraille, les médinas, les mosquées, le musée, déjà, il est fermé, il est en train d'être rénové. Vous allez avoir un très beau musée quand il va ouvrir. Un très, très beau musée nouveau avec des mosaïques splendides, avec des pièces archéologiques. Ça a mis du temps, mais ça a mis du temps parce que ça demande de l'argent. Le patrimoine, c'est un produit qui consomme beaucoup d'argent. Il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir arriver à ses espoirs et aux espoirs des habitants de chaque ville. Et on a le même cas à Carthage. Carthage, c'est une ville en péril parce qu'on s'en occupe plus. L'UNESCO nous a envoyé des alertes pour dire que si vous continuez à délaisser Carthage, ça va tomber de la liste du patrimoine mondial. Imaginez le Grand Empire, la capitale du Grand Empire, ne plus être dans la liste du patrimoine mondial. D'accord, madame, merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Je suis d'accord pour ce que vous avez dit et espérant que les choses s'améliorent d'une manière ou d'une autre. Et de toutes les manières, on a besoin d'être solidaires sur ça et de valoriser notre patrimoine et essayer d'éviter le maximum la perte. Voilà. Bon, Madame Salm, je dis que je connais Madame Amel Hachen, qui est directrice générale de l'Agence de mise en valeur du patrimoine de la promotion de. Donc là, si vous avez un message à passer, promotion culturelle, je peux lui envoyer. Donc j'ai un échange avec elle. Elle fait beaucoup de digital aujourd'hui au niveau du patrimoine, etc. Et je pense que c'est un canal important aujourd'hui pour notre jeunesse, pour les capter. Donc, ouais. Ils sont tout le temps sur le smartphone, ils sont toujours en vidéo, 3D. Et je pense que c'est il faut un peu, je pense, aller vers la technologie pour les capter. Exactement. Donc ça, c'est un canal important sur lequel il faut travailler pour la mise en valeur. Et moi, Moi, c'était juste en fait un commentaire par rapport, en fait, il faut plus compter sur... On ne t'entend pas, Madame Kauf. En fait, c'est pour l'argent, enfin pour le financement, je pense qu'il ne faut pas compter. Il faut essayer d'impliquer aussi les donateurs privés. Même à l'étranger, on voit, par exemple, quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame de Paris, c'est pas le gouvernement qui a payé ou elle a... C'est plus des donateurs, en fait. Et en fait, il faut qu'on arrive à sensibiliser, en fait, aujourd'hui, les Tunisiens,
qui tiennent à préserver justement ces monuments et que on est plutôt des donateurs privés. Il faut passer peut-être par cette jeunesse, en fait, qui, on voit bien notre jeunesse qui part à l'étranger. Donc, essayer de les sensibiliser pour que peut-être qu'ils essayent aussi de financer ces... je vois les choses comme ça, parce que si on compte sur le ministère, les ministères et tout ça, c'est une question de priorité. Exactement. Vous avez raison, mais moi, je pense qu'il faut tout un changement de mentalité. Parce que jusque-là, c'est l'État qui prend en charge tout. L'État qui prend en charge tout. Déjà, les jeunes n'acceptent pas aujourd'hui de laisser cette idée d'être recruté par l'État et d'aller faire des initiatives privées. Rien que ça, ça démoralise. Que dire aujourd'hui de venir demander au privé de financer un monument qui ne leur apportera rien? Moi, je vous le dis, j'ai fait l'essai. J'ai essayé. Mais oui, je suis d'accord, oui. Et si ce monument-là ne rapporte rien, personne ne te donnera de l'argent. Il va mettre son argent ailleurs, là où il y a du gain. Mais un monument à conserver, à restaurer, à faire vivre, il va vous dire, et le contrepartie, madame, qu'est-ce que je vais gagner? Oui, est-ce que vous allez me donner ce monument, me le donner? Non, on ne peut pas le donner, le monument. On peut le mettre à disposition pour qu'il exploite, mais on ne peut pas le lui donner. Il va dire, pourquoi je vais mettre 100 000 dinars, 200 000 dinars, je vais faire un autre projet avec. Et c'est ce qu'on entend tous les jours. On a essayé avec le mécénat, on a des mécènes étrangers qui viennent nous donner de l'argent. Mais les Tunisiens, jamais. Madame, c'est culturel, je pense. Attendez. Il nous faut un changement de mentalité. Non, mais c'est une question de taxes en France. Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? C'est Rim Bensessi de l'UBCI. Oui. Voilà, Aïcha, Madame Karim, justement, moi, je peux témoigner au nom de l'UBCI. On était effectivement, on a eu une expérience, mais qui s'est mal terminée. Alors, on était mécène pendant 3 ans, je pense, du musée du Bardo. Et on a fait une expérience avec le musée du Louvre. Donc, il y avait une convention tripartite signée entre l'INP, le musée du Louvre et l'UBCI. Malheureusement, le retour d'expérience n'est pas... ne nous a pas encouragés à poursuivre cette expérience. Alors, malheureusement, pour pénétrer les rouages de l'IMP, c'est très procédural, les fonds, on ne peut pas les loger, les virer sur un compte de l'IMP parce qu'on va perdre la traçabilité. C'est vraiment compliqué de pouvoir... Il y a l'agence, c'est le rôle de l'agence, le financement. L'IMP ne peut pas accueillir. Exactement, l'agence, justement, la NMME, je ne sais plus comment. La MP, c'est très lent comme nom. Voilà. La MPCV. Voilà, maintenant la volonté de certains institutionnels, comme des banques, on a essayé, on avait fait ça avec Total. Mais Total, s'ils étaient là, ils partageraient mon avis parce qu'on a vécu l'expérience ensemble. Et l'expérience s'est mal terminée. Voilà, le projet n'est pas arrivé à bout et des fonds qu'on n'a même pas décaissés à la fin parce que le pilotage du projet s'est arrêté et on a empêché à des personnes qui représentaient le Louvre de finaliser les travaux. Donc, des fois, là où les rouages, les procédures ici vraiment découragent à faire ce type de mécénat. Je pense qu'on n'est pas agile sur ce plan. Je confirme. Moi, j'ai eu ma propre expérience en 2019. Mmh. J'ai été chercher l'argent pour l'amphithéâtre d'Eljem et j'avais un projet. Je me suis dit, c'est lourd pour l'État. Je vais aller chercher de l'argent. Et du coup, j'ai participé au concours des fonds des ambassadeurs des États-Unis. Et j'ai présenté un dossier. Le monde entier présente. Il y a même avec moi les pyramides d'Égypte.
Et j'ai gagné le monument a été crédible et on a pris tout l'argent. D'habitude, il se partage entre deux, trois pays. Avec mon dossier, j'ai gagné donc le 430 000 dollars pour le Colisée d'Elgem. Eh bien, figurez-vous, un projet sur 4 ans pour changer carrément sa destinée, il a échoué à cause de la perte de l'argent. On n'a pas pu gérer cet argent. مليار ونص تونسي ما عرفناش نتصرفوا فيهم جبت مليار ونص للمعلم و les États-Unis donc ils étaient d'accord في واشنطن ministère des affaires étrangères et il s'est pris garant معناتها pour le monument ils ont dit si jamais cet argent soit bien employé il y aura d'autres donc on va ouvrir le robinet et on ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que le monument ait donc le nécessaire tout ce qu'il fallait pour sa mise en valeur. Et le projet devait se terminer en 2023. Il n'a jamais commencé. C'est effectivement triste d'entendre tout ça. Je vous choque. Entre la Banque centrale, l'agence, l'IMP, tout ça, des gens qui veulent être payés, la moitié de l'argent doit aller à d'autres. Donc, j'ai arrêté. J'ai dit non, moi, je ne suis pas une femme de finance, je ne comprends pas, je ne connais pas. Donc, je laisse tomber. J'ai laissé tomber et l'argent est revenu à ses origines. Triste. C'est triste, c'est comme ça. Bon, c'est des choses qu'on ne peut pas toujours dire, mais ça se passe partout en Tunisie. La stratégie, elle est mauvaise. On a tout préparé, mais on n'a pas pensé à ce financement-là. On ne sait pas financer nos projets. Parce qu'il doit y avoir le ministère des Finances. En plus, il y a la société civile, le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme, les finances, les banques, tous sont concernés. Ils sont tous concernés par le patrimoine. Je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas être mêlés. C'est ça le problème. Et on échoue toujours. Malheureusement. Voilà. C'est amer. C'est amer, oui. Nouhé, j'aimerais bien entendre Nouhé. Qu'est-ce que tu en penses, Nouhé? Nouhé, tu nous entends? Nouhé. Samahni, ma smart exact. Gérer par rapport à ce que vous avez vu, ce que tu as vu, gérer lors de, enfin, dans la présentation de Madame Kilimi, est-ce que tu as une question, une remarque, c'est quoi ton feedback, ton impression, voilà, c'est un peu tout ça. Un mot. Bon, je vais me conseiller avec ça à la présentation. بون بالنسبه انا معناتها مش دوميني تاريخ ما تكون اني اكتشفت حاجه ما كنتش نعرفهم سي بيان سي بيان سي تري بيان ديجا انورم دو كابتي لي جون دونك جيري نو tout ce qu'on gérait, voilà, tout ce qu'on fait à travers tout ça, c'est vraiment que les Tunisiens s'approprient leur patrimoine et leur mémoire, et ça c'est très important. Le patrimoine, ce n'est pas l'affaire gérer des archéologues, des historiens, c'est l'affaire de tout le monde. Exactement. C'est ça ce qu'il faut un peu gérer, inculquer et passer comme message dans la tête de tout le monde dans ce pays. Et gérer, voilà, il faut s'approprier son patrimoine et gérer comme sa maison et comme son logement. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il ne faut jamais gérer, voilà, j'ai entendu... Madame vous faire parler un peu de l'urbanisation folle aujourd'hui. Moi, j'ai assisté à un truc, je dirais, en France, il y a plusieurs années. Ils ont trouvé enfin, ils ont fouillé pour, gérer, voilà, construire, faire un peu un BTP, quoi. Je ne sais pas, creuser un truc, construire un truc. Ils ont trouvé une sorte de petite pierre, j'irai, voilà, etc. Et le chantier, il s'est arrêté pendant 2, 3 ou voire 4 ans.
n'y a rien, quoi. C'est juste un peu un petit rocher, une petite pierre, etc. En centre, enfin, dans une ville, dans la région parisienne, et le chantier s'est arrêté pendant 3 ans. Ils ont envoyé les archéologues, les historiens, etc. Oh, ouais. C'est le tunnel de la 86, ouais. Exact. Ouais, voilà. À côté de... Ouais, voilà. Et donc, vous imaginez le gap qu'on a aujourd'hui entre voilà, l'Europe et nous, et quand on parle un peu d'un musée à ciel ouvert en Tunisie. Donc, je reviens à la remarque de Cissé, mais vous voyez l'exemple que vous avez donné. Ici, en Tunisie, c'est notre quotidien. Des gens qui commencent à faire ou bien du labeur ou bien à construire leur maison, à commencer à faire des travaux, à creuser, ils tombent sur des vestiges archéologiques, sur une mosaïque, sur... ils ne viennent pas déclarer. Ils enterrent tout, ils cassent, ils brisent, ouais. Ils jettent dans la poubelle, mais ils n'avertissent pas les services. Mais si jamais on est averti et on arrive, on ne peut pas arrêter le chantier. Vous avez d'abord les interventions, le harcèlement. Ils vont même au tribunal, hein, ils portent plainte, ils arrêtent mon chantier, ouais, moi ouais. Je veux construire, moi je veux pas d'archéologie, moi je veux pas. Il nous faut quand même une brigade pour nous surveiller, pour finir un mois de fouille ou 2 mois de fouille. Et on continue jamais et on finit jamais à fouiller, parce que le mec, il a toujours ouais. quelqu'un au ministère, il a toujours quelqu'un à la présidence, il a toujours quelqu'un. Et tu as des gens qui sont haut placés, et même des gens qui sont instruits, ils viennent nous dire, mais lâchez-le, mais pourquoi ? On s'en fout, c'est le passé, ces gens-là sont morts, et voilà, le hayab qamel meyetou, ou khalib nidar, ou shumdakhal konfi, ou kéde. Oui, on a des collègues même qui ont été battus sur le terrain. Je vous assure, on lutte, hein, on lutte. C'est la lutte quotidienne. Oui, exactement. Les mosaïques ont été jetées dans la poubelle. Il faut impliquer de plus en plus de gens, en fait. C'est ce que tu disais, Sam, au début, c'est faire découvrir ça, c'est bien, mais il faut les faire aimer cette chose. Aimer l'archéologie, oui, aimer le... Bah oui. Commencer par les enfants, les inviter à faire des recherches, à comprendre que la petite pièce qu'il a trouvée, la petite pierre, là, je ne sais pas. Enfin, quand ils voyagent, ils aiment bien l'archéologie ouais. qu'ils la voient en Europe. Bon, quand ils rentrent, ils veulent construire leur palais, leur château. Et ils veulent piller pour décorer leur maison. Mais quand ils partent au Louvre et tout, oh, qu'est-ce qu'ils ont ? Nous, on n'a rien. Regardez le Louvre. Ils viennent nous raconter ça. Mais ça me révolte. Les mêmes. Et là, le combat avec les gens qui habitent à l'étranger aussi, nos Tunisiens, ils achètent des lots de terrain et ils envoient de l'argent et ils commencent à faire des scandales. Non, nous, on n'a pas droit, ils te disent. Nous, on n'est pas comme les Européens. Nous, on n'a pas besoin de sortir des vestiges parce qu'on n'est pas... On n'est pas assez responsable. Il nous parle comme ça. Ça, c'est un vrai problème. Oui. C'est les... tu sais, enfin, vous savez pourquoi ? Parce que, enfin, bon, j'ai rendoré un peu de six cas de personnes, etc. Mais, enfin, parce que je reviens toujours à ce que je viens de dire, les gens ne se sentent pas, propriétaires de leur patrimoine. C'est pour ça qu'ils s'en foutent, en fait. Pourquoi, votre C'est comme ami? Si le mec, il prend les poubelles et les jette un peu sur les bords des routes et des voies, etc., ou bien chez son voisin, etc. Et tout ce qui est important pour lui, c'est que, le devant de chez lui est propre et clean et qu'il sent... voilà, c'est tout ce qu'il a, ouais. Ça, c'est typique. Hein. L'avenir, c'est notre jeunesse, c'est nos jeunes, et je pense qu'il faut un peu, construire là-dessus. Et il faut les capter par tous les moyens. Ils voient ce qui se passe en Europe, etc. Et ils voient tout ce qui se passe dans le monde. C'est ouvert aujourd'hui.
Il y a une nouvelle mentalité. Et je pense que c'est là où il faut un peu la sensibilisation, l'éducation, l'information, la valorisation. Et il faut travailler sur la jeunesse aujourd'hui. Parce que gérer toutes ces générations, pour moi, c'est foutu. Il n'y a rien à faire. Et il faut travailler sur la jeunesse avec le digital, avec surtout le digital, avec les canaux, gérer les smartphones, et ça, les applications, tout ce qu'il fait, Hoda Bekir, etc. C'est magnifique. Il faut travailler sur valoriser les startups qui font un peu l'héritage culturel, le patrimoine culturel, etc. Avec un peu gérer des partenariats avec le ministère du tourisme, etc., etc. Pour gérer animer ces circuits, les mettre sur Google, sur les etc. Et c'est ça ce qu'il faut faire un peu. Il faut capter la jeunesse par les canaux qu'ils aiment et qu'ils apprécient, parce que gérer notre jeunesse aujourd'hui ne regarde pas la télé, voilà, malheureusement. Enfin, je ne sais pas, heureusement ou malheureusement, personne ne regarde la télé tunisienne ou ailleurs, et tout ce qu'ils regardent, ils passent tout leur temps un peu sur leur smartphone, et c'est là où il faut les capter, les interpeller. Oui, exactement. Voilà, mais même les jeunes aussi, il faut les sensibiliser, il faut qu'ils aient cet esprit de bénévole. Parce que si on veut faire vraiment une révolution, une révolte technologique, ça ne tient qu'à eux. Les jeunes en Tunisie, ils veulent être payés avant qu'ils ne montrent leurs produits. Nous n'avons pas de jeunes bénévoles qui viennent vous dire « Allez, lâchez-moi dans cette ville d'El Jem, je vais sortir des merveilles. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. » Ça crée de la crédibilité déjà en nos jeunes. Ça montre le résultat du produit, c'est-à-dire si, comme vous le dites, ça va être sur les smartphones, ça va être sur le virtuel, et ça va voyager dans le monde entier, ça va rapporter certainement. Ça ne peut pas être muet. Donc ces jeunes-là, tout ce qu'on leur demande, on leur dit, tant que vous êtes des étudiants ou des jeunes créateurs, venez, mais ne soyez pas exigeants envers votre pays. Non, ils veulent de l'argent en contrepartie. Nous, on veut se débarrasser de cette histoire de dépenses, de financement, parce que c'est le seul problème vis-à-vis de notre patrimoine, c'est le financement. Aujourd'hui, on a une multitude d'universités, des centaines, je ne vais pas dire de milliers, mais il y a des milliers de jeunes qui possèdent cette technologie, qui la maîtrisent. Ils ne veulent pas la mettre au profit du pays. Ça aussi, c'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Il faut me payer parce que moi aussi je suis pauvre, moi aussi j'ai des problèmes. D'accord, mais commence d'abord. Et du coup, on est resté au point zéro, si vous le savez, Sissem. On est au point zéro. Moi, je veux des étudiants avec moi qui sont mes étudiants, qui maîtrisent bien la technologie. Quand je les appelle pour un stage non payé l'été, ils ne viennent pas. Ils me disent « j'ai trouvé du travail, madame ». Mais venez même une heure dans la journée, prenez des photos, faites-moi un 3D, un truc comme ça. Non, je travaille, je suis payée, je ne viens pas. Ça aussi, je le comprends. Bon. C'est tunisien. Bon, on va commencer déjà par mettre en relation, j'irai vous, Madame Krim et Madame Kawthar Boussam, à travers les étudiants de Paris, de Tunis Dauphine, déjà. J'espère. J'espère bien, j'irai aller voir un peu. Commencer, j'irai à faire des actions de sensibilisation auprès de nos étudiants, des petits comme ça, j'irai. Enfin, il faut trouver, inventer des nouvelles formes un peu trouver les justes mots, les justes phrases, etc., pour expliquer et sensibiliser nos jeunes. Il faut commencer par des petites actions concrètes comme ça. Et j'irai, je pense jamais il faut baisser les bras. Bon, bien sûr, on comprend bien le contexte aujourd'hui et la conjoncture qui est extrêmement difficile sur tous les plans. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Il y a toujours des motifs d'espoir. Il faut abandonner ce pays, moi je dis. Il faut l'aimer plus que ça. Parce que moi, j'ai des étudiants étrangers qui viennent. J'ai un Italien qui est venu, il n'a même pas de bourse. Il s'est installé ici en Tunisie et il veut faire des projets comme ça, de 3D et tout. Il a aimé le patrimoine tunisien et il s'est retrouvé comme ça. Il a décidé, il m'a dit, madame, je travaille avec vous et gratuitement, je vais passer une année en Tunisie et il va me faire des projets de 3D, des petites maisons romaines, des monuments, tout ça. On a des étudiants français, d'origine, ils n'ont pas des Tunisiens en France.
Ça, on a des étudiants, mais après, ils rentrent chez eux, ils ne peuvent pas continuer. Ils font leur projet, ils nous laissent un produit et ils rentrent. Mais nous, on a besoin de nos enfants qui vivent ici, qui transmettent cette technologie, qui la mettent au profit du pays. Nous, on est estimé aujourd'hui un pays pauvre. On a plusieurs projecteurs sur nous. Ils veulent nous aider. Pourquoi nos Tunisiens à l'étranger, ils ne veulent pas aider? On reçoit de toute nationalité au service du patrimoine tunisien. On a des Syriens, on a des Palestiniens, on a des, je parle d'étudiants, hein, des Français, des Suisses. Maintenant, la Suisse est entrée en force en Tunisie, les universités suisses, parce qu'il y a un doyen tunisien à une université suisse. Il ne cesse d'envoyer des étudiants suisses. On a des Allemands qui sont maintenant chez eux, hein, les étudiants allemands. Un groupe part et un autre revient, des Italiens, des Anglais. Peut-être, mais il n'a pas mais peut-être qu'il faut organiser des bourses, des choses comme ça pour justement les gens qui sont là. Il ne faut pas qu'ils vivent, qu'ils mangent, même si c'est un stage d'un mois. Non, ils ont des subventions de leurs universités. Ils ont des bourses. Voilà, s'ils décident de partir à l'étranger, ils sont financés et c'est des grandes bourses. Hein. Mais les Tunisiens, voilà, ils n'aiment pas revenir en Tunisie. Les Tunisiens ne touchent pas. Ouais, mais il faudrait qu'ils reviennent avec des bourses, quoi. Je pense que les jeunes aussi, ils sont très mal informés aussi. Ils ne connaissent pas réellement leur pays. Ils ne connaissent pas, c'est vrai. Ils ne connaissent pas le potentiel. La valeur. Le potentiel, oui. L'importance de ce potentiel, ils ne connaissent pas. Parce que ça se vend bien, la Tunisie, vous savez. Ça se vend, c'est un produit qui se vend très, très bien. Dès que j'ai commencé à faire découvrir le Tizrus El Jem à la communauté internationale, j'ai même eu une proposition de l'Australie. Une étudiante australienne, elle m'a dit, j'ai un grand budget, je veux venir travailler sur l'amphithéâtre d'El Jem. Et dès que vous montrez votre potentiel, vous avez des gens qui vous appellent de partout. Et malheureusement, voilà. Malheureusement, voilà. Bon, j'irai. Faut garder. Non, mais j'irai. Bon, moi, je garde toujours de l'espoir. Donc, Il faut garder de l'espoir. Et je pense que j'irai. Il faut miser sur. Je reste persuadé. Je rejoins Madame Kauther sur le fait aussi un manque d'informations cruel. Il faut inlassablement continuer, je dirais, à informer, à sensibiliser, à partager, à susciter de l'intérêt, etc., à valoriser. Il faut trouver, réinventer des nouvelles formes, je dirais, pour capter ces jeunes et susciter leur intérêt. Et ça viendra. Je pense aussi il y a le contexte économique et social aussi aujourd'hui dans ce pays qui défavorise, je dirais, qui est pas favorable du tout, je dirais, à faire rêver les gens. C'est un peu du luxe, ce qui est art ou la recherche, ils considèrent ça un peu comme quelque chose de, c'est un extra. C'est pas ça qui va faire vivre et ramener du pain à la maison. C'est un loisir. Voilà, c'est ça. Donc, faut changer la donne. En fait, avoir son nom sur une découverte, par exemple, avoir son nom associé à une découverte archéologique, peut-être que ça, si ça peut avoir de la valeur, ça peut peut-être motiver. Mais faire de la recherche pour. On ne sait même pas faire la pub. Il y a des industriels, il y a des firmes, tout ça, qui font de la pub de n'importe quoi, mais ils n'utilisent pas une photo sensationnelle d'un patrimoine tunisien. Je ne sais pas, ils sont un peu, réticents envers leur identité. Ils n'exploitent pas. Vous pouvez mettre sur un yaourt la table de yogourta, ça a la forme d'un yaourt. Eh bien, c'est parti. Et vous l'exportez en Libye et en Algérie. Ouais. C'est une petite idée. C'est une grande idée. Vous savez, Madame Kérim, ça me rappelle un peu aux États-Unis,
J'irai content, par exemple, j'irai, voilà, on perd un enfant, ou j'irai toutes les entreprises, par exemple, de lait, mettre le photo sur, j'irai les briques de lait, et pour, j'irai, voilà, diffuser de l'information via une brique de lait, une boîte de lait, etc. Et ça, c'est continu aujourd'hui aux États-Unis, quand j'irai, voilà. On perd un enfant, une fille, j'irai, on veut le chercher, etc. C'est un moyen. Les entreprises s'y mettent sur les boîtes, leur gérer les photos des enfants perdus ou égarés, etc., pour qu'on puisse les trouver facilement. Oui. Et en France, il y a le loto du patrimoine aussi. Oui, voilà, il y a un Français, un couple, je crois, belge ou français, j'ai oublié, ceux qui ont érigé, ils ont fait le forage d'un puits en plein désert en Tunisie. Et j'ai oublié le nom de leur fils. Ils ont perdu un fils, donc ils ont eu une tempête, le garçon a eu soif, il a eu une attaque cardiaque, il est mort à un endroit. Ils étaient touristes tous les deux. Et ben, ils ont enterré leur fils, ils sont partis. L'an après, ils sont revenus au même endroit, ils ont ramené beaucoup d'argent, ils ont fait un forage d'eau, ils ont sorti un puits, ils l'ont appelé le puits. Il est très connu, entrez sur Google, vous allez voir, c'est en plein désert tunisien. Et chaque année, maintenant, il y a une course, je ne sais pas, un marathon, je crois, un marathon au nom de ce garçon et au nom de ce puits. Et le marathon, donc, commence à ce puits, il fait le désert, il retourne vers le puits. Et bien, tous les ans, c'est un lieu touristique maintenant, et des centaines qui viennent faire le marathon de ce deuil-là de ses deux parents. Et voilà, c'est une histoire à raconter. Et c'est en Tunisie. Et tous les ans, c'est un marathon qui s'organise. Il y a une association qui s'en occupe en Europe et ils font venir des touristes et ils font gagner de l'argent à des dizaines de familles qui vivent là-bas. C'est tout simple. Bon, je pense qu'on arrive à la fin. J'irai, mais merci, j'irai à tous nos participants s'il n'y a pas d'autres choses à rajouter. Donc, les 2 journées un peu de finance étaient longues. Et puis là, j'ai entendu le problème de financement et les montagnes un peu bureaucratiques, toujours en Tunisie. Là, on me dit, oui, bon, enfin, j'entends toujours. Ouais. Ah oui, effectivement, il y a un gros problème de cadre réglementaire, de process, de. Oui. Bon, bref, je vous souhaite tous bonne soirée, bon week-end. Merci beaucoup, Madame Krim, pour ce voyage magnifique et ces découvertes. Je répète, je dormirai beaucoup moins bête ce soir.